J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se lie d'esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de chou. Or lassé de servir de tête de massacre, des contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et j'écris toute la vérité. Toute la vérité, messieurs, je vous la livre. Si j'ai quitté le rang de plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Lisette, à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut, le rut. Qu'on me comprenne bien, j'ai l'âme du satyre, et son comportement, mais ça ne veut point dire que j'en ai le talent, le génie loin s'en faut, pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste, rose un bon nombre de femmes, de journalistes, qui me pensant fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique, et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues, sur des tas de bouillons, des paquets d'invendus. Et voilà ce qui fait que quand vos légitimes montrent leurs fesses au peuple ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimés à l'envers, les échos, les petits potins, les faits divers. Et si vous entendez sourdre à travers les plaintes du boudoir de ces dames, des râles et des plaintes, ne dites pas, c'est tonton Georges qui expire, ce sont simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée, un rédacteur en chef, qui m'incite à monter à l'assaut de rechef. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq, et Galien répond, non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne des méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredaines. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, 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 trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut, le rut, le rut.